Bienvenue dans le dernier numéro du magazine L'Acrobatie de 2011, débuté, on s'en souvient, en janvier avec le Cirque du Soleil qui était de passage à Paris. Nous sommes dans d'autres coulisses, cette fois dans la comédie musicale du moment, j'ai nommé Dracula, dont l'un des principaux rôles est tenu par Nathalie Foquette, ex-membre de l'équipe de France de gymnastique rythmique, qui nous reçoit à quelques minutes du lever de rideau. Nathalie, bonsoir. Comment on se sent à quelques minutes du lever de rideau ? Très bien. Très détendu, comme vous pouvez le voir. On est bientôt, je crois qu'on en a déjà fait 50. Donc voilà, détendu et heureuse. Comment on passe des praticables de gymnastique rythmique, où tu étais en équipe de France, à la scène du Palais des Sports de Paris ? Bah déjà, pour pouvoir être sur une scène, il faut passer des castings. Et en l'occurrence, là, le casting pour Dracula. Donc ça m'a permis d'être sur scène. Après, voilà, passer de la gymnastique à la scène, c'est totalement différent et c'est beaucoup de travail, encore une fois. La danse, donc, reconversion pour les anciens gymnastes. Justement, on a un trampoliniste, Grégoire Penn, champion d'Europe de son état, qui est un excellent danseur et qui a reçu cette année le prix Acrobatic Sports, donc qui récompense les athlètes pour leur palmarès, leur sympathie. Et nous l'avons récompensé avec Sébastien Martini, qui font du trampoline synchronisé, et ils sont vice-champions du monde tous les deux. Donc ouais. On va voir la séquence de cette remise de prix. On lance le magnéto ? Allez, lançons le magnéto. Voilà, nous sommes avec Sébastien Martini, Grégoire Penn, pour remettre, comme chaque année, le prix Acrobatic Sports, qui récompense des athlètes, non pas seulement pour leur palmarès, qui est exceptionnel, mais aussi pour leur fair play, parce qu'un athlète, c'est avant tout un être humain, quelqu'un qui doit être complet, fair play et très sympathique, ce qui est le cas des deux loustiques. Donc voilà, l'an dernier, nous récompensions Dong Dong et Wang Chan Chan, qui sont aussi très funky. Donc voilà, messieurs, deux, trois petits cadeaux, c'est Noël avant l'heure. Pour vous remercier, voilà, pour le poids en bagage dans la soute. J'espère que vous n'êtes pas au taquet, parce que sinon, il va falloir abandonner des trucs ici. Donc voilà, on va commencer par un artiste Acrobatic Sports. C'est voilà. Toi ? Non, pas du tout. Ah, non, on ne citera pas le nom, mais c'est... Voilà. Ben, merci beaucoup. Super. Donc, je sais pas comment c'est décoré chez vous, mais... Merci beaucoup. Voilà, c'est le premier truc. Voilà. J'aurais donc... mon premier truc là, chez moi. Voilà. Ah ouais, nickel. Donc voilà, le t-shirt Acrobatic Sports. Merci. Qui permet d'avoir la classe en boîte. Merci beaucoup. Tu as le droit de déballer. Ah ouais, hein. Il y a de la porcelaine, faites gaffe. Ah, ok. Bon, enfin, on va être Georges Clooney avec ça. Nespresso. C'est bon, on pourra proposer un café aux filles qui viennent chez nous. Qu'est-ce qu'il apprend ? Super. On n'a pas pris la cifre. Merci beaucoup. Merci Acrobatic Sport, merci beaucoup. Merci de nous suivre, merci de nous soutenir, merci d'être là tout le temps. Ça fait super plaisir, merci. Et pour aller avec, forcément. Ah, bah voilà. Ah. Voilà. Un mug spécial équipe de France masculine de trampoline. Et vous êtes dedans, les gars. Yes. Pas besoin de le couper en deux, t'as le tien aussi. Merci. Merci. Allez. C'est ça. Voilà. Santé. De retour avec Nathalie Foquette. Donc Nathalie, suis-tu encore les actualités des équipes de France de gymnastique rythmique ? Oui, je suis les actualités, bien sûr. Donc mes coéquipières sont toutes passées à une vie différente maintenant, mais on se côtoie encore beaucoup. Et puis les petites jeunes, les petites nouvelles, on les soutient. Et on a suivi les championnats du monde de Montpellier, qualificatifs pour les Jeux. Et en l'occurrence, elles se sont classées 9e. Et là, leur vraie qualification, donc les test events, c'est dans même pas un mois. Effectivement, à Londres, où sera le magazine de l'acrobatie. En attendant, lançons les brèves pour voir ce qui s'est passé ce mois-ci dans la planète acrobatique. L'ancienne gymnaste Isabelle Severino, aujourd'hui vice-présidente du Comité national olympique et sportif français, a été élevée par décret du 14 novembre 2011 au rang de chevalier de l'Ordre national du mérite. Finaliste au dernier championnat du monde de rock acrobatique avec Richard Cerruti, la danseuse Leslie Sier met un terme à sa carrière pour se consacrer à ses études. Leslie restera néanmoins investie dans son club du BC Swing, situé à Grand-Saconex, près de Genève.
Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, accueillait samedi 10 décembre le championnat de France par équipe de trampoline et de tumbling. En première division de trampoline, l'équipe masculine de Sevran, conduite par Michael Jalla, a remporté le titre au détriment d'Antibes, qui cède sa couronne en prenant la deuxième place, tandis que le PEC termine troisième. Chez les dames, victoire de la Seine-sur-Mer qui devance également Antibes, alors que le bronze revient au club de Levallois, emmené par Marina Moulinova, qui participera en janvier au tournoi pré-olympique de Londres. Les tumblers des Bains, quant à eux, s'adjugent les lauriers devant Rennes et Vimerieux, alors que chez les dames, les Rennais s'imposent devant Draveil et le club de Metz, qui prend la troisième place. L'Italien Bruno Grandi briguera à 77 ans un cinquième mandat à la tête de la Fédération internationale de gymnastique lors de l'Assemblée générale de l'institution qui se tiendra au Mexique en octobre 2012. Nathalie, quels sont tes projets après Dracula, Orgne-tu, peut-être sur le cinéma ou d'autres domaines de la vie artistique ? Alors j'aime beaucoup la comédie. Dracula, ça m'a permis de découvrir tout ce qui est aspect comédie, théâtre, de m'exprimer d'une manière différente sur scène, ça m'a beaucoup plu, donc j'aimerais approfondir ça. Donc me tourner d'abord vers une formation plus en théâtre. Et puis après, pourquoi pas, si des opportunités s'offrent à moi, jouer dans des films, des séries, je sais pas du tout. Et pour ce qui est de la danse, moi je veux rester dans le milieu de la danse pour le moment et approfondir voilà, toutes ces notions que je suis en train d'apprendre encore. Et plus partir vers le travail de compagnie, éviter tout ce qui est plutôt télévisuel. Je pense que j'ai plus besoin d'approfondir avec me chercher moi-même avant de pouvoir montrer aux autres. Et un rapport peut-être plus direct avec un public présent dans la salle, chose qu'on n'a pas au cinéma ou à travers des émissions de télé peut-être. Mais c'est vrai que ce que j'aime dans le métier que je fais actuellement, c'est le rapport avec le public. C'est un partage, c'est qu'on donne beaucoup d'énergie et surtout, mais on en reçoit le double. C'est un échange de chaque instant, le moindre geste qu'on peut avoir, la moindre parole, on sent les réactions du public et ça, c'est énorme. Enfin, c'est ça qui me plaît vraiment dans ce métier. T'est-il déjà arrivé 2-3 bourdes lors d'émissions de télé ? Alors, lors d'émissions de télé, pas vraiment, parce qu'on fait vraiment attention à ce qu'on dit. Mais sur scène, oui, bien sûr, on a eu notamment un fou rire il n'y a pas longtemps, et là, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Et puis, bizarrement, ça donne de l'énergie et c'est communicatif. Et justement, on va communiquer avec le bêtisier d'Acrobatic Sports et du magazine donc de l'acrobatie pour cette année. Et à présent, retrouvons les brèves. On peut pas essayer de faire un truc un peu plus long. Le problème, c'est que le principe d'une brève, c'est que c'est brève, donc je vois pas ce que je peux dire. Là, pour leur manège à la con. Une candidature portée par les tripes, par des fous d'acrobatie. Avec les tripes, bah oui, je suis con. Vas-y, attends, coupe. Direction Clermont-Ferrand, en France, où s'est déroulé les championnats de France. Mais avant cela, direction Clermont-Ferrand, en France. Pour les championnats de France de trampoline tumbling, ça fait un peu redondant quand même. Donc, nous sommes à Saint-Pétersbourg où se déroule la deuxième étape de cette Coupe du Monde de trampoline tumbling 2011. Il se marre derrière sa caméra, lui. Mais avant cela, direction les championnats de France de trampoline tumbling et gymnastique acrobatique à Clermont-Ferrand. Jazz pourtant. Gymnastique. Je vais dire, ouais. Bah, je te laisse en tourne là. Bon, comme Damien. Ouais. Ouais, je comprends, ouais. Bon, ok, je vais le faire. Les brèves avec. J'ai oublié son prénom. Là, tu le papier. Célèbre symphonie du Nouveau Monde du compositeur Dvorak qui naît ici en République tchèque où nous nous trouvons pour suivre l'avant-dernière étape du circuit Coupe du Monde de trampoline que nous résume Jazz Bontemps. Sergent, je lâche le napalm. Il naît ici en République tchèque où nous nous trouvons pour suivre la. Il y a du lourd ce mois-ci dans votre rubrique préférée, c'est l'heure des brèves maintenant avec Chara Chantreau. Il y a du lourd ce mois-ci, c'est leur. Ils seront le mois prochain au championnat d'Ukraine Open, les Canadiens. Attends.
Ils étaient atteints. Ça fait un peu Jean-Pierre Pernaut. Et oui, aujourd'hui, partons en Dordogne voir Germaine qui a 84 ans, fait encore sa lessive à la main. À présent, voyons donc qui a pu se hisser sur les marches du podium mondial et sera donc présent notamment en trampoline individuelle en janvier à Londres au test pré-olympique. Oh, c'est lent. C'est à chier parce que je justement, en parlant de qualification olympique, on va voir ce qui s'est passé. Donc, au mois de novembre-décembre, on va lancer les brèves de l'actualité. Eh bien, regardons. C'était très naturel. Non, mais regardons. C'est vrai que tu l'as. Vas-y. Je suis désolé. Tu prends la relance plus dynamiquement. Parce que là, tu l'as. Non, c'est vrai, tout à fait. Nathalie, tu n'es pas sans ignorer qu'il y a des bourdes dans tout lancement, dans toute émission. On a fait quelques-unes quand même ces derniers temps. Donc voilà, on a aussi les nôtres dans le magazine de l'acrobatie. Et donc c'est l'heure du... du bêtisier. Voilà. Quelle bourde elle a fait ? Elle a fait quelque chose, genre elle s'est plantée. Genre je me suis éclatée par terre en disant... De toute façon, tu le dis à Jean, mais on se connaît depuis que ça fait 10 ans qu'on se connaît. T'en as fait quelques-unes, ouais, quoi. Dernièrement d'ailleurs, avant de venir, tu t'en es pris. C'est beau, très là, de toute façon, tu la lances, tu l'as cassée. Mais bon... C'est l'horreur. Excusez-nous. C'est pas grave. Ouais. C'est détendu. Ouais. Papa. Ouais, oui. Eh bien, merci Nathalie pour ton accueil. Merci à toute la troupe. Et avant de se quitter, souhaitons un joyeux Noël à toute la communauté acrobatique. Hein. Mais joyeux Noël à tous. Profitez bien. Avec le bonnet, c'est encore mieux. Et voilà, je crois que je vais souhaiter ça comme il se doit. On fera une guerre de pompons. Joyeux Noël. Et voilà, et dans toutes les langues, vous allez voir sur ce. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous en 2012. Et noyeux Joël et bonne année.